C'est parti pour le premier numéro, le nouveau numéro Yamasolo Yamboka, chers internautes, Bozola Ndabiso Bongo, de partout, Bozola na Congo central, na Butembo, na États-Unis, na France, partout, hein, ici à Kinshasa, dans les quatre coins de la République démocratique du Congo, chers internautes, nous vous souhaitons le bienvenu. Merci beaucoup pour la fidélité, Nabino, na Congo Live Télévision. Voilà, nous sommes là pour vous servir encore une fois de plus. Alors, bon, Messano, nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien de Monsieur Joël Ngindou, Azamoko cadre na parti politique écolo. Voilà, avec lui, nous allons devoir parler de la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est. Il y a République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer que cette situation persiste jusque-là. Il y a plus de 20 ans que la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais. Alors, lors de la prestation de serment de son premier ministre, le mercredi 14 août, Paul Kagame, président ya Rwanda, a lobby tazo reconnaître Teko, ba soldat na ye, baza awa na sol congolais. A lobby été soki baza awa aux alapona objectif ni pendant que nous savons tous que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est le Rwanda qui combat la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes sans ignorer que président Lorenzo Azaawa na sol ya République démocratique du Congo et lors de leur échange avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba beta ki bongo c'était na eloko etali bongo processus ya Luanda et cessez le feu décidé par la République démocratique du Congo et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. Alors, et susciter un peu de réaction de partout. Lamuka, Balobi était, Nzela porte-parole Nabango, Prince Epengé, Balobi était, il dit non au cessez-le-feu. Il y a Luanda et appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, à solliciter l'aide militaire de l'Angola pour restaurer, n'est-ce pas, la paix durable, pour avoir la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Moutoune Tounami était Nini Oesengeli Nabiso, tout ça là, réellement jusque-là, on a est et ça l'a pacifié pour avoir une paix durable. Oui, Kourou, mais là, vraiment bongo. Voilà, chers téléspectateurs, on est à première thématique, Nabiso, pour jeter un coup d'œil aussi sur la vie chère des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que jusque-là, la vie sociale des Congolais reste encore sans impact? Mon équipe Bongo était Namikole les Kaki, gouvernement congolais a besoin de quelques mesures pour la vie sociale ya congolais na impact baloba qui était le gouvernement congolais a besoin qui ba mesure a lobby été a supprimé totalement ou partiellement les taxes et le droit sur le produit importé. Est-ce que yango que ça a été social il y a congolais et comment n'a impact jusque-là, 6 ans après ces gouvernements. Chers téléspectateurs, chers internautes, j'allais dire, j'étais en train de dire au début que sur ces plateaux, Naza Bongo, Namouanambouka, Joël Ngindou, Aza 4, Nassan, il y a parti politique, Ekolo et Kambami Bongo, Ndeko Chris Mukendi, et puis Aza président autorité morale, et puis il y a le secrétaire général, Jacob Mbangi. Alors, Mwanamboka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Merci pour la rassemblée là. Je crois que pour cela, pour un peu l'exprimer, je suis dans la République morale. Ah, Nous avons d'accord. un président national, Président ici, national. c'est lui qui est le visionnaire du parti. Nous avons accompagné sa vision. Ok. Et parlant de l'autorité morale, c'est comme si morale qui sont pour mettre en captivité ou soit zombie sous la ligne dans l'esclavagisme, alors que nous devons penser libre et écolo, un espace où un peu s'imagine comment on va penser là-bas, parce que
La jeunesse aujourd'hui pense à l'innovation, soit le renouvellement de la classe politique. Okay. Alors, pour renouveler cette classe politique, et qu'on ait petit espace dans la gêne, au hasard, Mayenne, Bada Sage, au Bako, qui peut apporter quelque chose pour le pays. Parce que. Bajano batangate bajano baza ekolo eza bokangeli bango ba part parce que bokangeli bango ba part obeti sete bongo na bajano baza sage bajano ba kokwa porter quelque chose pour être sage et c'est notre tanga d'où j'ai dit bajano baza sage pour être intelligent et c'est notre tanga alors oui, non, mais si c'était l'intelligence. Mais si c'était, j'ai dit ceci. Bah, j'ai le haut basa sage, là, bah, haut basa intelligent, bah, y'a naïkolo, on leur offre cet espace pour manifester leurs ambitions. Et non seulement ça, je dois aussi dire ici que tout ça n'a union sacrée. Parce que chaque fois, tant que vous aurez la parole, les gens pensent que tout ça n'a union sacrée. Alors que nous ne sommes pas dans l'union sacrée. Nous sommes un parti politique qui accompagne le chef de l'État. Nous, nous avons pris la décision parce qu'il y a d'autres qui disent que l'opposition vit notre façon de parler dans le média. Ils disent que nous sommes dans l'opposition, alors que ce n'est pas le cas. Bisho et Kolo, nous avons pris l'option de soutenir le chef de l'État, mais en lui disant la vérité. Parce que la meilleure façon de soutenir le chef, c'est de lui dire, en tout cas, le chef de l'État, place tel au Loba qui le peuple d'abord. Mais jusqu'à présent, le peuple ne se retrouve pas. Et vous devez revenir pour accomplir votre promesse. C'est-à-dire que nous avons pris cette option-là pour rappeler le chef de l'État, non seulement ses promesses, et lui rappeler ses prérogatives. Et nous trouvons que c'est la meilleure façon pour nous de soutenir le chef de l'État. D'où j'invite la population congolaise à soutenir Ekolo, à venir s'adhérer massivement au sein du parti politique Ekolo, où ils ont parti et où tu combattes avec une nouvelle vision. Parce que c'est rare pour ta parti politique, où ils ont soutenu le chef de l'État, mais où il y a Misaé Bosolo. Et aujourd'hui, les gens nous taxent de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que il y a, pour dire la vérité au chef de l'État, pour dire la vérité au chef de l'État, il faut être dans l'opposition. Non. On doit dire la vérité à la personne qu'on aime. Même dans ma couple, même dans ma couple, pour moi, c'est avec Olinda qui m'a cassé. Si nous sortons de solo, mon oreille, c'est ah, chérie, n'a rien à tout cas. Mon oreille sortit de solo, ce qu'on prochainement est une solo. C'est ça la meilleure façon d'aimer une personne. Très bien. C'est aussi notre façon d'aimer les chefs d'État, c'est-à-dire de lui apporter notre soutien. Mais Badoumi Baza quoi accusé, bino en tout cas que vous créez un parti politique ou un pour nous blessure. Oui, les gars qui n'a mis colo ou n'a pas élection, les gars qui l'autre fois. Donc, on a besoin de quitter la élection. Allez, du coup, Ndeko Chris, c'est l'amour qui est un bon matin. Le but, maintenant, je vais créer un parti politique. Pourquoi avoir un parti politique de plus pendant qu'il y a plusieurs partis politiques au besoin de soutenir vision chef de l'État, mais ils appellent une union sacrée? C'est une bonne question, madame. Merci vous savez, chaque vision naît d'une frustration. C'est-à-dire, quand vous vous vendez, vous le dites, non. Dans les partis politiques aujourd'hui, ceux qui, au pays, par exemple, la UDPS, les gens tactent l'IDPS d'un parti politique ici du Kassai. Ceux qui ont été dans le MLC, ils ont été dans le MLC et parti à Bangal. Ceux qui ont été dans l'AFDC, ils ont été dans l'AFDC et ils ont parti à l'Est. Nous, parti politique écolo, d'ailleurs par son nom écolo, vous allez comprendre que parti politique écolo, et ça c'est pour la nation. Nous sommes dit, nous avons subi le tribalisme dans le parti politique. Nous avons subi le clientélisme, le népotisme, tout ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Apportons quelque chose de nouvel, de sorte que tout le monde, moi, changement, mon robot, tout le monde, l'idée, on a un peu de temps, non, ce qu'on continue à partir, on a, les gens, il faut, moi, le président, des fois, se retrouver, ce qu'on continue à partir, on a ce qui est de l'eau, propre, non, il m'a promis, le président, on a basé le président de la République, t'as la famille à part, non, et quoi, le premier, et à partir de la frustration, nous sommes dit on doit imposer notre façon de faire. Et surtout que les Congo, ils ont héritage au Bako, au Batiké, la Bissonnion. Congo, ils ont
nani ya AFDCT Congo ça INCT Congo ça est bisounion so très bien et nulle part dans la constitution va petit ici pour créer parti politique yasika et ça loi ou ça légitime c'est garanti mais il y a plein de partis politiques oui il y a plein de partis politiques mais biso tous les partis politiques moi tous les différents là-bas partis nous nous sommes nous ne sommes pas là pour un coin du pays soit pour une famille mais nous nous sommes là pour la patrie comme mais, on appelle notre parti parti politique écolo les partis politiques y a banambo il y a parti politique y a banambo comme on vit donc faut te retrouver en paix peut-être dans ma province partout en la République démocratique du Congo cas, madame ne vous inquiétez pas nous sommes déjà installés partout au Congo il nous reste sauf 3-4 provinces on a tout installé tout Congo Tamasita combien de mois déjà tous ça na Katanga tous ça na Bandundu tous ça na Congo, tout ça, est déjà presque dans ma province, sinon nous sommes là, non seulement dans Moka et à l'extérieur du pays, parti politique, ils sont à Londres, parti politique école, ils sont à Londres, ils sont aux États-Unis, nous sommes au Brésil, nous sommes en Suisse, tout ça, au moins, on a 11 fédérations dans l'Iban et à Moka. C'est-à-dire que nous sommes nés et nous avons une ambition claire, il y a pour étendre le parti politique dans la mission. Combien de mois déjà? Nous avons déjà 6 mois. Dans 6 mois, vous êtes un peu de partout. Ah, ça, c'est bien. Coup de chapeau. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder déjà la première thématique. Oiseau est concerné la situation sécuritaire la partie est de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, analyse nos animes. Jusqu'à là, Nalikambo et Talibongo, situation sécuritaire. Et Nani Paul Kagame a aussi Koloba été celle qui sorti médiatique on a lobby azo reconnaître que ba soldat naier baza à na sol congolais a biso qui barozala a barozala pour un objectif nini pendant que biso ça to ebi que Rwanda et aussi la guerre na République démocratique du Congo et puis ba soldat naier baza awa et de l'autre côté ton monde qui présence il est encore là présence il y a Lorenzo Bétios va marteler sur laisser le fait, le processus associer les faits pour que l'Est la pacifier. Alors, la Mouka et Télémi et le biais était président de la République, j'ai été en coup d'été sur laisser le fait, Oana, Aboua Kisango, Alouka, le mécanisme, et Nisousou, et que ça, la Est la pacifier, analyse dans les années. Merci beaucoup, madame. Déjà, dans le fond, je voulais savoir que. Nul ne peut se prévaloir de sa propre. C'est-à-dire que Ndeko Kagame étant meneur d'un trouble aux Anakati, il y a un beau cannabis, il y a un est, il y a un beau cannabis. Il ne faut jamais que les cas ne soient pas étendus, que soit dans la conférence, dire que c'est moi qui suis derrière la guerre de l'Est. C'est-à-dire que Yenda Zawana, vous m'avez dit que vous continuez à faire Wangana. Alors que missionnaire sur tout le monde a image tout le monde a vidéo et pour circuler que bas soldats rwandais madame la carte yambo canadien et bas au cimetière est dans l'est yambo très bien et de l'autre côté lui il n'admet pas alors on ne peut pas s'attendre déjà c'est déjà entendu sa façon de communiquer et ils sont forts bas rwandais bas fort communication sur les réseaux partout ils sont là pour se victimiser. Vous allez comprendre que Lelo Rwanda a organisé une manifestation pour appeler sous prétexte de la victime, alors que les vraies victimes, c'est nous, la République démocratique du Congo. Et le Rwanda a bénéficié de compassion, il y a presque moins de mobilité. Alors, nous, de notre côté, nous comprenons que le Rwanda n'est pas seul. Il est accompagné par la communauté internationale, on doit se le dire, la vérité, parce que chaque jour, le président voyage pour aller chercher, en fait, trouver la solution pour l'Est de mon pays. Donc la solution, on peut comprendre aujourd'hui que la solution est ailleurs. Et ça, a été la République démocratique pour trouver. Allez-y. Et après, c'est ces mêmes personnes qui invitent les chefs de l'État sur les tables et qui soutiennent le Rwanda. Alors nous nous sommes dit, la RDC a un problème de partenaires sérieux. Nous n'avons pas de partenaires qui, en fait, des partenaires fiables. Fiables, oui, je dois dire. Les partenaires fiables, les partenaires que nous avons ont des agendas cachés.
des fois, en fait, leur face nous disent autre chose, mais leur intérieur, ce n'est pas en fait ce qu'ils font, ce qu'ils nous disent. D'où nous. Mais ce qui est un peu bizarre, pendant que Boyebi Marmabon, mais ce sont les mêmes personnes, nous avons besoin de la confiance. C'est là où se trouve le problème. Vous savez, notre armée a subi le passage et cela a fait que notre armée soit infiltrée. D'où, actuellement, chercher à trouver les solutions à l'interne, il faut beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Pourquoi? Parce que déjà, les généraux de notre pays, lorsque Kabila est venu, il a nommé des généraux, qui, très jeunes généraux, ils étaient des Rwandais, et ceux qui a nommé général de Morobo Yamukolo, Aza Congolais. Mais soit il a nommé général algérien, Aza Rwandais. Et ça fait que notre armée est fragilisée. D'où. Donc vous accusez indirectement le président paix à son âme, Laurent Désiré Kabila, qui a engagé de Joseph Kabila, l'ancien président qui a engagé ma Rwandais à l'armée d'Abisson. Il a éradiqué le M23 par des accords, et des accords qui ont fini par le brassage. C'est-à-dire que et aujourd'hui, ces mêmes rebelles, parce que le président Tshisekedi est venu, après ils ont intérêt à Bamboké, ils sont rentrés à Kékoussala Bissou, ils sont sous terre. D'où, aujourd'hui, pour combattre ces gens-là, vu que Batouana Bazana Batouana Bamboké n'a pas terminé la mission, ça sera difficile. Mais six ans déjà, oui. Qu'est-ce qui a manqué? Oui, problème, il y a guerre, il y a problème, il y a problème, jusqu'à trouver une solution. Avec sagesse et intelligence. Pour ceux qui ont nous allons perdre le président. Parce que qu'est-ce qui prouve que l'entourage du président va infiltrer Bazali. D'où il faut que nous parce que nous avons eu la chance d'avoir le président qui a la volonté d'éradiquer la guerre à l'est du pays. Et cette volonté, la volonté est ne mal suffit vue. Pas. La volonté jusque-là, la guerre s'est aggravée encore. Il agit. On voit comment est-ce qu'on est en train de faire les réformes de l'armée. Quelles sont les retombées? Peut-être vous vous attendez à ce que le président arrive avec un bâton magique à Bétigua. Non, à partir d'aujourd'hui, guerre ici. Il nous a fait croire. Non, madame. Alors, c'est ça qui me sonne d'Otowana qui fera ça. Et juste pour qu'elle laisse soit pacifié. Vous savez, madame, nous avons tous été à l'université. Ce qu'on nous a enseigné à l'université, ce n'est pas ce que nous avons trouvé dans nos lieux professionnels. Très bien. Par exemple, moi, j'ai fait l'informatique de gestion. Arrivé là-bas, c'était autre chose. C'est-à-dire que le peu que j'ai acquis à l'université et le peu que je suis en train d'acquérir dans le milieu professionnel me façonne. C'est-à-dire que le président de la République, oui, il a été préparé pour devenir président de la République, mais en étant président de la République, il y a d'autres réalités qu'il ne connaissait pas avant de... D'où, arrivé là-bas, il agit maintenant comme le président de la République. Lui, il sait quand est-ce qu'il faut frapper, et quand est-ce qu'il faut négocier. D'où, nous faisons confiance, sachant que tôt ou tard, la guerre à l'Est va prendre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter sur la diplomatie de président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir une paix durable? Madame, vous savez que la guerre elle-même se déclare par une diplomatie. C'est-à-dire qu'avant de déclarer la guerre, les camps RDC et les camps de l'autre côté vont se placer devant une table et parler. Ce qui va y occuper, c'est à ce moment-là qu'il va pour déclarer guerre. Alors, déjà, aujourd'hui, nous pouvons parler du Parlement parce qu'à l'époque, il y avait un Parlement qui était, je dois dire, monocaméral parce que notre Parlement doit être bicaméral. Le Parlement vient d'être complet il n'y a pas longtemps, il n'y a pas des jours. D'où, aujourd'hui, on peut dormir et se réveiller au lieu président a déclaré guerre parce que le Parlement est déjà au complet. Attendons le président, c'est lui qui voit tout, il sait quand est-ce qu'il va frapper et quand est-ce qu'il ne faut pas frapper. Et la diplomatie, nous, écolo, nous favorisons la diplomatie. Pourquoi? Parce que la guerre, nous savons quand est-ce que la guerre commence, mais quand la guerre prend fin, on ne sait pas. D'où, on doit aller de diplomatie en diplomatie, de sorte qu'on puisse trouver la solution
te laisse Mais tromper. ça prend du temps. Moi, quel que soit le temps que cela peut prendre, on a besoin d'une paix durable, non pas d'une paix cosmétique Mais tout le monde attend Nicolas. comme la paix qu'on avait autrefois. Parce que tu vois la guerre dans l'Est, t'as pu gagner à masquer, paix morogo, à paix si, ma rebelle, ma poste dans le gouvernement, Boka, Bini. Et aujourd'hui, parce qu'il y a intérêt dans le monde, mon ami, ma zone sous la guerre. D'où nous voulons, nous avons besoin d'une paix durable et non pas d'une paix cosmétique. Pour l'année de la mobilité sur ces guerres et ces régions. Non. Raison pour laquelle ça peut prendre le temps qu'il faudra, mais nous avons besoin d'une paix durable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter, on peut dire que Totiami Sunabiso, un nouveau gouvernement, na parlement, na président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, te compter sur Bango et puis Troué est-ce que vous allez passer fini? On peut compter sur eux. Il faut compter dans la banque, il faut compter dans la banque, il faut compter dans la famille n'est pas président de la République. Il faut compter dans la banque, Khatoum n'est pas premier ministre. Il faut compter dans la banque, il faut compter. Et tous, il y a opposition, il faut compter dans la banque, il faut compter dans le gouvernement. C'est eux qui travaillent pour nous. On doit aussi, je dois ici dire à la population, parce qu'on a la banque, on a la banque, on a la banque, on a la banque. Alors, il faut qu'on ait un œil regardant envers eux. Il faut qu'on ait imposant, pour s'imposer, il faut pas ça la moussala. Oh yo, Bachelet va me placer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le pouvoir n'est plus pour le peuple. Parce que la démocratie, n'est pas définie ça dans la classe, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et le pouvoir doit être exercé pour l'intérêt du peuple. Et cette population doit avoir un œil regardant sur ces personne à qui le peuple a légué le pouvoir. Si on te paie si mon pouvoir, c'est la vision de ça. Si on te monique et si matin, tu as une obligation, soit devoir, il y a un élément, en tout cas, pour ça, la moussala, au ruisseau, au team de la Bible. Et c'est garanti par la On Constitution. a aussi l'impression comme si les autorités qu'on laisse travailler pour leurs propres intérêts. Mais madame, pourquoi ils travaillent pour leur propre intérêt? C'est parce que la population n'est pas. Ce que la population comme ça la laisse nini. La population était les marées, ça la marche, ça la nini, ça la raca, tout ça la Mais, monsieur Nani, le défunt qui s'était dit, vous avez dit qu'on est en charge. Le peuple doit se prendre en charge. On ne doit pas toujours être là à pleurer. D'ailleurs, un peuple qui pleure trop et qui n'est pas capable de se tenir debout pour sa propre cause, ne mérite pas de crier miséricorde, si vous voulez. Un peuple doit se tenir et revendiquer ses droits. C'est ça un peuple. Un peuple, c'est un peuple qui s'y connaît. Je sais que mes droits, je dis, par exemple, Mipemati, je dois obliger au ministre de l'économie, je dois obliger au ministre de l'industrie, au Bayo Massala Kaka, Rabat. le Non, il faut problème les. c'est que est-ce que Bayo Kaka Non, madame, le problème, c'est que nous avons un peuple qui est divisé. Ceux qui Diviser l'ont. le lingikani. Nous avons un peuple qui est divisé. Ceux qui l'ont, parce qu'un tel ou telle personne, et ça au moins Moussala, et tu n'as plus. Bah, Congomani, il y a Oui, opposition, il y a Congomani, oh, il y a beaucoup, il y a. va se retrouver, ils ne veulent pas, vu que Bazana ils ne veulent pas que le peuple ait des mains et revendiqué un droit dans Bango. Bon, je parle ici, je ne suis pas de l'opposition parce que les gens peuvent croire qu'il y a dans l'opposition, dans l'autre la population et marché. Non, je suis en train juste de rappeler à la population qui est leur prérogative parce que le président et l'exécutif, le pouvoir exécutif a ses prérogatives et la population qui a fait que ce pouvoir, pouvoir exécutif puisse exister a aussi ses prérogatives. D'où Maintenant, à ça, la moussala naïe. Très bien. Peuple, Azalawana a revendiqué le droit naïe. Et le gouvernement, Azalawana a ça, la devoir naïe. Parce que Aza beaucoup plus na devoir qu'il a le droit. D'où, il faut accomplir le devoir naïe, de sorte que cette population que nous prétendons aimer, parce que chaque politicien aujourd'hui, passant par le média, il dit toujours qu'il est là pour la population. Il combat pour la population. Et cette population que nous prétendons aimer, que cette population puisse se retrouver pendant notre gestion. Aujourd'hui, nous soutenons le chef de l'État, mais
on doit se réunir. Lorsque le chef de l'État va finir son mandat, c'est lui qui sera responsable devant la population. Bahati ne sera pas responsable devant la population. Kamer ne sera pas, il dira, moi j'étais dans le pouvoir législatif, je ne peux pas. Vous voyez, d'où pour nous, nous sommes beaucoup plus exigeants envers le pouvoir exécutif, c'est parce que c'est eux qui doivent faire à ce que nous puissions palper le changement qui prône le gouvernement de la République. Très bien, merci beaucoup, chers internautes. Je tiens à rappeler que sur ces plateaux, Naza Bongo, Nandeko, Joël, Ngindou, Aza, cadre na parti politique écolo. Alors, nous allons devoir aborder la deuxième thématique, Etali Bongo, les sociales des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Joël, déjà lorsqu'on parle du social, rapidement dans nos liboumons, est-ce qu'avant la mesure prise par le gouvernement pour la sociale des Congolais, est-ce que jusque-là, les sociales des Congolais ont un impact? Il y a de l'impact, il y a de l'impact social, il y a ma Congoman, 6 ans après, 6 ans, vous êtes encore là, vous soutenez le président de la République, Azawana, 6 ans après. Est-ce que l'impact des Ali Bongo, de comprendre, dans Ali Bongo social, il y a ma Congolais, social en général, pour que les gens n'aient pas Ali Bongo, social en général. Déjà, social en général, je ne peux pas être ingrat, je dois quand même reconnaître que le président a fait. Sur le plan éducatif. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Et nous avons la. Mais Bazoul est là, Batouming Bazoul est là. Et oui, Batouming Bazoul est là. Qualité, jusque-là, ils ont posé problème. Et quand il y a qualité, madame, qualité et enseignement, et Bandi Lelote. On doit se le dire. Tout le barabou solo. Et Bandi Lelote, mais Faki Boya Tabo changé. Oui, politique, Batevele, Batantara, politique, c'est la démagogie. La politique, oh, mais surtout dans la classe, c'est l'art de bien gérer. Il faut. Quand il y a un peu de rappel au sol, non, à la place, on a un bon cas. Il fallait que tu sais, il y a 5 mois pour changer. Parce qu'à l'époque, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Et c'était difficile. Au salaire, en fait, 2 semaines plein la classe. Soit. La 2 semaines, ok, classe 5 jours, et le reste, il faut ça la copie, ou ça la même. Nous, on doit quand même reconnaître que monsieur le président a fait quelque chose sur le plan éducationnel, et aussi, a dit que ça marche pas bien, gratuité et maternité. Ils ont un impact social, il y a un peuple qui a dit pourquoi, parce que, bon, ouais, ils ont dit destiné à l'éducation, bon, ouais, ils ont dit destiné à Marambia. Il y a autant de la ménagère. D'où, sur le plan. C'est constitutionnel, ça, il ne faut pas oublier. Oui, c'est constitutionnel, mais nous avons. C'est-à-dire que la constitution a été violée tous ces temps jusqu'à ce que le président arrive pour que la constitution soit respectée. Alors, concernant Libounou, à ce côté-là, je dois le dire avec les larmes aux yeux, le président de la République. Marteler sur le plan du Bumu parce que le peuple congolais ne demande pas trop. Le peuple congolais ne demande pas trop. Le peuple a ça posa alia alala bien courant ezala courant koutou mystique courant ezala maï mystique mais peso kota oui ça fait du bien tu respires c'est ce que le peuple demande et pour que tout ça ezala palpable il faut courant la vie comment industrialiser. Et comment industrialiser de sorte que ma entreprise industrielle va s'installer dans le Congo, de sorte que ma méga coupe sa bilan pour la polia, vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème, il y a beaucoup à des certains agricoles. Et je crois qu'il y a autrefois, on a levé l'angle de la plateau, on a eu l'autre côté. Ailleurs. Nous avons un problème, il y a beaucoup à des certains agricoles. Et ce que nous. Nous faisons ce que la même personne, quand elle est ministre chargée de l'infrastructure, chargée de la construction de la route, elle a dit alors qu'il n'a rien fait. Bon, ce qui va tomber, c'est là où ils ont mis ma bande, 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 là où ils ont mis
relier Congo mobimba na banzela et non seulement ça ba place lo ko lié uta kanisa na bilanga batongi banzela et kotiti na kati sauf ka ke na Congo to zana nzela moko et kotiti na bilanga ezaka nzela ya kinga kati ya onne bi marati na bilanga ya kabila mais ba bilanga o ya bayi congolais o bazo sala musala du jour le nuit ata so zana bilanga hectare moko mu so zana bilanga hectare moko so ba sangisi nyo so na evoke sa lo ko lié na peuple congolais et avant tout que nous industrialisation il y a agriculture mais biso tout pèse en nous bandela na oya mukie o ezomo na des sortes que biloko e comme na Kinshasa biloko e comme na Kasai na Kananga e comme na Mbujimayi e comme na du partout biloko e circule là mais à l'aise c'est ce que nous voulons c'est à dire que le ministre que Naïba Rassou comme on a été pour dit que asala musala te ko so ndo sala musala Alors, même les médias vont en parler. Exactement. Oui, le monsieur, la constante oui, Moutamba, le monsieur c'est un ministre nous demandons à ce ministre-là qu'il attend à l'hôpital, va tirer un peu pas mal de billets. Asala Moussala. Souci n'a vu ça. Peuple a comme appelé. Et pour peuple a comme appelé, il est sur la volonté. Ceux qui font et à mon nez, à ma casse, ma contrainte que vous avez mis, ma contrainte que vous avez aidé, ma défi à relever, ils ont aidé pour pouvoir passer et tirer la vision. Mais on ne peut pas continuer à se. Pouvoir passer les cas déjà. Si quand on consomme, 6 ans déjà. Alors, pourquoi tu sais toujours. On ne peut pas s'éterniser sur les accusations qu'on va avoir. Pendant 6 ans, exactement. Très bien. Agir, très bien. Cette population puisse se retrouver sur le plan nutritionnel, sur le plan. Donc, le peuple a se retrouver. A joie lipa, il y a moins cher. A joie mikate, il y a mikate. Le peuple a. Vous savez, madame, à l'époque, j'étais encore célibataire, elle a se retrouver. Là, surtout, on a un bon tomate, vous combien 2000 francs. J'ai fait le tomate, qu'est-ce qui fait que le tomate est comme les éditeurs, comme cher. Très bien, monsieur Joël Ngindou, vous êtes le bon qui est approché. Voilà, alors le gouvernement congolais a décidé de supprimer partiellement les droits sur le produit importé pour le Cambo Italie, vie chère. Il y a Congoman. L'Olenge Kani, aujourd'hui, qui nouvelle Oyoba, mesure prise par le gouvernement congolais. Bon. Vous savez, madame, vous avez mesure, c'est bien. Quand on a eu le ministre de l'économie pour expliquer la mesure au Bajou, d'une part, je n'étais pas content. Pourquoi? Parce que avant la prise de mesure, il faut déjà ma solution est à la, la place. Vous savez, lorsque vous prenez des mesures, et que vous n'accompagnez pas ces mesures, en tout cas, et nous, comme on dit, il y a la décision en athée. Mais on peut compter avec le nouveau ministre de l'économie, que va Koko Landela, Makambouana et tout. Bon, ils ont tout le ministre, parce que il y a un système où il y a tout. Nous avons un système, il y a que le ministre a eu une décision, Landela, il y a le lobby, et si il y a c'est comme si ils ont. Ils ont inséré dans le Congolais. Alors, biso, ceci n'a pas été pour que j'avais mesure après avoir trouvé les solutions. Parce que aujourd'hui, ma mesure, est-ce que Bilanganini, à part, comment on appelle ça, Kanyamaka Sese, Bilanganini, l'État n'a pas été en train d'imposer ma mesure à ma femme commerçante. Bon, on a bien un bon commerçant, parce que la plupart, on a un numéro et un unité.
ba ba commerçant reconnu par l'État. La plupart ils ont ba maman qui a tati bilanga na ye ye azo calculer par rapport ya coût d'achat ya ba produit ya somaki pona ko lona ba coût d'achat ya tracteur pour yani coût ya tracteur pona ko kata matitinyo yo sur la tango azo tiana ni na yana aye a che prix na ye et yo ozo ya ko imposer ye ba mesure moko boye bon c'est compliqué ozo ba mesure ya ke biloko ko ya tango ekota na mboka fait la taxe, c'est mieux. Mais est-ce que Bissot fera à tous les arabes de l'autre à l'Iban d'Amour? Mais pourquoi n'est pas. Ça, c'est un grand problème. Pourquoi n'est pas créer les entreprises congolaises où ils sont capables, soit pour l'État, l'État, ça, la commerce, mais pourquoi n'est pas accompagner les entrepreneurs au Salarabou, Salawana, de sorte que. Production na bango et comment et à grande échelle mais abandonne l'état abandonne wana na kusana ko supprimer na ba taxe ko supprimer ba taxe c'est ko supprimer ba taxe c'est bien madame ko supprimer ba taxe c'est bien mais autrefois le chef de l'État avait expliqué ce qui les dollars résume à tanambo kana tous parce que nous achetons mingi libanda ya mboka tandis que bon on a besoin de mara libanda ya mboka donc yo supprimer ba taxe wana c'est pour que importation et comment à grande échelle, vous voyez, et ça, donc trouver solution dans ma cambocolia, mais j'ai problème là, ma cambouillateur et dollar. Il souci la biche, il faut trouver la solution de sorte que production est comme à local. Vous pouvez me citer une entreprise où est produisée la rabiso basso, non, bon, la biche, où est produisée la biche basso, donc au somme à l'imanate, ah, on a la biche. Exactement. Mais il y a des entrepreneurs où il y a un peu de dans 3 mois, il y a déjà 150 sosos. Pourquoi ne pas accompagner ces jeunes alors que le président de la République avait manifesté la volonté de faire de nous des millionnaires? S'il faille faire des jeunes congolais des millionnaires, mais il faut les accompagner et non pas accompagner déjà des millionnaires parce qu'il y a des jeunes. Banayaba, oh, baza, recommandé par leur père, ne va bénéficier de la volonté du chef de l'État, alors que cette volonté, c'est pour toute une république. C'est-à-dire, bisognoso, bajeno, baza, ambition entrepreneuriale, bakende, ba accompagné. Fort malheureusement, nous sommes dans une république des hommes forts, où déjà le président manifeste la volonté et ils veulent. On peut comprendre le président est mal entouré. Ekende, il a la volonté, la famille n'a pas la volonté de l'entourage du chef de l'État qui bloque les décollages de notre pays. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Joanne Bidou. Vous allez regarder votre caméra. Message Nayo Yasuka Ezani, parce que là, nous sommes à la fin. Merci beaucoup, madame. En tout cas, message Nayo Yasuka Ezani, nous avons une gêne. Nous avons. Perdu au moins 18 ans, il y a règne de Joseph Kabila, dans le cannabis. Bon, il y a des jeunes qui se sont retrouvés parce qu'ils étaient proches du pouvoir, il y a celles qui se sont retrouvées parce que le proche du pouvoir était leurs oncles paternels, oncles maternels, mais la vraie population, une population où il y a base, Batikali qui se retrouvait. C'est-à-dire que nous avons perdu 18 ans. Et cette fois-ci, nous avons encore 4 ans devant nous, alors prenons-nous en charge. C'est-à-dire que là où ça ne marche pas, prenons la décision. La meilleure façon de soutenir le président de la République, c'est de lui dire la vérité. Rejoignez-nous na Ekolo, tokontiko banakoye misabo solo na président de la République, de sorte que ayabake toza lisusu peuple naïveté yakala, toza peuple oazo se prendre en charge, oazo linga lisusu ba manipulation politique. En tout cas, rejoignez-nous à Ekolo, espace où il y a libre pour la jeunesse consciente. Vous allez bien venir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, madame. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, chers internautes. Normalement, on a Bino Bongo, Nicolo et Zali Koya pour un nouveau numéro. Bonne suite du programme. Merci beaucoup à l'équipe, technique. Tout le monde à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.